Le Moyen Âge. Troisième partie. Les activités préférées par les nobles sont la chasse et la guerre, qu'ils considèrent presque comme une activité sportive. Chaque seigneur cherche à augmenter son pouvoir aux dépens des autres et provoque des conflits qui créent un climat de danger et d'instabilité. Les habitants d'Ost, qui forment la communauté la plus nombreuse et riche de la région, réagissent à cette situation vers 1191. En s'adressant à l'évêque Valbert et au comte de Savoie Thomas Ier, qui s'accordent pour mettre fin aux violences. Une charte de franchise est rédigée, un document par lequel le comte s'engage à protéger les habitants et leur patrimoine en échange de leur fidélité, et à ne plus exiger d'impôts contre leur volonté. Il renonce à imposer la taille, c'est-à-dire un impôt arbitraire, qu'on pouvait exiger à tout moment, et la remplace par le subside ou donatif, qui peut être demandé seulement en certains cas et dont le montant est fixé en accord avec les citoyens. La charte fixe en outre des règles pour la répression des délits, pour empêcher aux juges d'imposer des peines arbitraires. La population d'Ost est rassurée et le comte, tout en renonçant à une partie de ses droits, renforce en réalité son pouvoir dans la ville, au détriment des autres seigneurs. C'est le point de départ pour arriver à dominer toute la vallée. Et ses successeurs y parviennent petit à petit dans les siècles successifs. En prévoyant un accord entre le comte et les citoyens pour la fixation de subsides, la charte de franchise révèle aussi l'existence d'un organe représentatif des exigences de la population. C'est le noyau de l'Assemblée des États généraux, formé par les délégués de trois ordres de la société, la noblesse, le clergé et le tiers-état. C'est-à-dire le peuple organisé en communauté. Au Moyen Âge, vers la fin du XIIe siècle, au Val d'Ost, on assiste à l'arrivée d'une nouvelle façon de créer les liens entre le seigneur et ses sujets. Le premier à introduire ce nouveau type de rapport est le comte de Savoie, qui, en 1191, octroie à la ville d'Ost des franchises. Mais c'est quoi ces franchises? Ces franchises étaient, pour le Moyen Âge, des libertés. Mais pas des libertés en absolu comme nous avons de nos jours l'idée de liberté. C'était la liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses. C'est-à-dire la liberté de ne pas payer certains types d'impôts ou la liberté de commercer sans que le seigneur intervienne à limiter le commerce. Donc, le premier à introduire les franchises Val d'Ost est bel et bien le comte de Savoie. Mais
une centaine d'années après, plus ou moins, on commence à voir que même les seigneurs locaux, par exemple les chalands ou d'autres, commencent à donner des libertés à leurs sujets. On a des exemples très limités, par exemple à Fénice, à Saint-Marcel ou dans d'autres petits fiefs gérés par les seigneurs de la famille de Chaland. Mais parfois, même le comte de Savoie continue dans sa concession de franchise à des territoires qui étaient directement soumis à son pouvoir. Par exemple, Villeneuve, qui obtient vers la fin du XIIIe siècle de nouvelles franchises qui sont intéressantes. Par exemple, on donne la possibilité aux femmes d'hériter, ce qui ne se passait pas auparavant. Donc, il y a un changement de mentalité, un changement important qui donne la possibilité de modifier même l'économie. En effet, le but des seigneurs qui octroyaient des franchises était bel et bien de permettre à certains habitants de se rendre dans certains lieux, c'est-à-dire dans les bourgs, de façon à augmenter le pouvoir économique à l'intérieur du bourg. C'est-à-dire, c'était une façon de attirer les gens et d'améliorer donc la possibilité du bourg de s'organiser. On attirait des gens qui, d'une façon ou de l'autre, avaient des capacités de commerce ou des capacités artisanales, ce qui entraînait pour les seigneurs des avantages, car s'il y avait davantage de commerce, de toute façon, lui-même obtenait l'avantage de pouvoir récupérer des impôts et donc il s'enrichissait du travail qui se produisait à l'intérieur de ces zones qui étaient libérées d'une façon ou de l'autre de certains impôts ou de certaines formes de travail obligé. Entre le XIIIe et le XVe siècle, plusieurs autres communautés valdôtaines suivent l'exemple des citoyens d'Ost et obtiennent de leurs seigneurs des chartes de franchise qui établissent les droits et les devoirs réciproques. C'est surtout le cas des bourgs qui dépendent directement des comtes de Savoie, comme Donas, Bar, Étrouble, Saint-Rémy, Villeneuve et Morgés. Ces localités font partie du domaine direct, c'est-à-dire des territoires dont le comte est le seigneur exclusif. Au début du IIIe siècle, ce territoire comprend seulement la ville d'Ost, le Val d'Igne et la seigneurie de Châtel-Argent. Au XVe siècle, il englobe désormais la plupart des territoires valdôtains, ayant absorbé les seigneuries de Bar, de Montjovet, de Cly, de Car et de Gignon. Ces territoires sont gouvernés par des fonctionnaires nommés par le comte, un bailli qui réside à Ost et des châtelains qui administrent chacun une seigneurie. Les Savoies affirment leur supériorité sur les autres seigneurs valdôtains en exploitant l'autorité qui vient de leur qualité de comte, c'est-à-dire de représentant de l'empereur. Chaque comte, au moins une fois dans sa vie, convoque à Ost les audiences générales. Une cérémonie solennelle pendant laquelle il renouvelle la promesse de respecter les franchises valdôtaines. Et reçoit à son tour la promesse de fidélité des communautés du domaine direct
et des seigneurs locaux. Ces derniers doivent reconnaître d'être ses vassaux et consigner leur château à ses fonctionnaires, qui les occupent pendant les audiences, au cours desquelles le comte administre la justice en soumettant à des procès les seigneurs, qui se sont rendus coupables de quelques délits. S'ils sont reconnus coupables, ils sont condamnés à la confiscation des biens ou à des amendes très élevées. Même en dehors des audiences, lorsque les nobles opposent une résistance, ils sont systématiquement combattus et vaincus. C'est le cas des seigneurs de Bar, contre lesquels le comte Amédée IV organise en 1242, avec l'aide du vicomte Godefroy Ier de Chalands, une campagne militaire qui lui permet de s'emparer du château, le plus important de la région au point de vue stratégique. Après l'an 1000, la vallée d'Aoste a été divisée en plusieurs seigneuries. Localement, il y avait des personnages particulièrement puissants, particulièrement experts dans l'art de la guerre, parce que c'est essentiellement la seigneurie, c'était la domination des guerriers, qui avaient divisé la vallée d'Aoste en plusieurs seigneuries. La haute vallée était dominée par les seigneurs de Savoie, par les comtes de Savoie qui avaient le Val d'Igne, la vallée de la Tuile. Plus bas, il y avait les seigneurs d'Avise. La vallée de Cogne appartenait aux évêques d'Aoste et dans les vallées du Grand Saint-Bernard et de la Val Pelline, c'était la seigneurie de Car qui dominait le territoire. Mais la plus grande partie de la vallée était constituée par les seigneuries qui appartenaient à la famille de Chalands. Famille qui était divisée en plusieurs branches. Il y avait les seigneurs de Cly, les seigneurs du Sel, les seigneurs de Fénis, les seigneurs de Maville et les seigneurs de Verès, Chalands, Graines et Issogne. Cette famille a une très grande importance dans l'histoire de la vallée non seulement, mais aussi des États de Savoie en général, parce qu'ils ont rempli pendant des siècles les charges les plus importantes au service des comtes de Savoie qui, à partir de 1416, sont devenus les ducs de Savoie. C'est depuis déjà le XIIIe siècle que les Chalands ont appuyé les comtes de Savoie. Et ils avaient reçu en effet, en 1206, la seigneurie de Chalands, qui se trouve dans la vallée d'Ayas, et qui a donné le nom à la famille. Cette famille était déjà très importante à l'époque parce qu'ils avaient le titre de vicomte d'Aoste, c'est-à-dire qu'ils représentaient le comte de Savoie dans la vallée. Mais c'est à partir du XIIIe siècle que cette alliance avec les comtes de Savoie leur a permis d'avoir un grand pouvoir, non seulement à Vallée d'Aoste. La première grande entreprise qu'ils ont fait avec les comtes de Savoie, c'est de s'emparer de la seigneurie de Bar. La seigneurie de Bar appartenait à une famille, celle du seigneur de Bar justement, qui avait Bar et Pont-Saint-Martin et Sarres. En 1242, le comte de Savoie décida de s'emparer du château de Bar en collaboration avec le vicomte d'Aoste Godefroy de Chalands et ils réussirent tous les deux à chasser Hugues de Bar de la vallée d'Aoste. Le frère de Hugues de Bar restait en vallée d'Aoste, il s'appelait Guillaume et il était seigneur de Pont-Saint-Martin, mais il n'a pas eu la possibilité de succéder à son frère et le château de Bar, qui était l'un des plus importants de la vallée d'Aoste, est resté dans le domaine de la maison de Savoie grâce justement à l'alliance avec les Chalands pendant tout le reste du Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne. La
disons, la période la plus splendide, la plus favorable à la famille de Chaland fut cependant entre la fin du XIVe siècle et le XVe siècle, lorsque la famille était représentée par Yblay de Chaland, le constructeur du château de Verrès, Aymon de Chaland, seigneur de Fénice, le constructeur du château de Fénice, et les fils d'Aymon, dont le cardinal Antoine de Chaland, qui était cardinal de la cour de Rome, Boniface, qui était maréchal de Savoie, c'est-à-dire commandant de toutes les troupes du duché de Savoie, et Amédée, seigneur des Marilles. Le dernier personnage réellement important de la famille fut René de Chaland, lui aussi maréchal de Savoie, au XVIe siècle, qui avait des fiefs, c'est-à-dire des possessions en Vallée d'Aoste, en Savoie, en Suisse. Il était prince de Valangin dans l'actuelle Suisse, et il avait même des territoires en Lorraine, dans le nord de la France. Après cette période, après René de Chaland, la famille a eu quelques petits problèmes d'ordre financier, et finalement, elle a perdu une partie de son importance, et sa place a été prise auprès de Savoie par les seigneurs de Valaise, qui étaient seigneurs de la vallée de Galissonnay, et du château d'Arnat. La Vallée d'Aoste n'est que l'une des régions qui font partie des territoires dominés par la Maison de Savoie. Entre le XIIIe et le XVe siècle, l'État savoyard s'élargit remarquablement grâce aux conquêtes et surtout à l'habileté diplomatique des comtes Amédée V, Amédée VI, dit les comtes verts, et Amédée VIII, nommé duc de Savoie par l'empereur Sigismond en 1416, lorsque l'État savoyard va de Neuchâtel au nord jusqu'à Nice au sud et du Canevet à l'est à la Bresse à l'ouest. Pour l'administration de ces terres, la Maison de Savoie se sert de la collaboration d'une noblesse qu'elle a réussi à soumettre au cours de siècles. En Vallée d'Aoste, elle s'appuie en particulier sur les seigneurs de Chaland. Ils descendent des anciens vicomtes et remplissent les charges les plus importantes de la cour et de l'administration, tant dans notre région en Savoie et au Piémont. Leur pouvoir se manifeste par la construction de nombreuses résidences fortifiées. La tour de Bramafan, siège des vicomtes à Aoste, et les châteaux de Chaland, Graines, Verrès, Issogne, Montgevet, Ussel, Rives, Châtillon, Cly, Saint-Marcel, Fénice et Aimaville. Les successeurs du duc Amédée VIII sont faibles et indécis. Les rois de France en profitent pour imposer leur influence pendant un siècle. La famille ducale est elle-même divisée, et la noblesse cherche à récupérer le pouvoir qu'elle avait autrefois, en suscitant des rébellions. L'État savoyard traverse une crise qui éclate pleinement au XVIe siècle, à l'époque du duc Charles II.